C'est arrivé il y a un an. James se réveille. Le danger est passé. Ou du moins, il a tout oublié. La vie qu'on a voulue pour lui et qui ne lui correspondait pas. Le mal qu'on lui a voulu et qu'il n'a pas provoqué. L'amour qu'il a perdu. Tout s'est effacé. Comment est-ce possible? Pourquoi? Peut-on ressentir si fort la souffrance ou la joie au point de tout faire basculer? Est-ce que moi j'en serais capable? James se réveille dans un stationnement désaffecté. Il a tout oublié.
Votre nom, s'il vous plaît? Comment vous vous appelez, monsieur? Do you understand what is your name? I don't know. Laissez faire, madame, il n'y a rien à en tirer. What city am I in? You're in Montréal, Montreal. That's in Ontario, right? Canada? You can sit down, sir. Attention les amis, c'est chaud. There we go. It's over now. Just breathe in. Slowly. Slowly. This paper we found in your pocket. I wanted to ask you before. You don't remember at all, do you? Décorer. 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 It's good. It's difficult. Déguisé. Another word. Okay. Défendre. Oui. Défendre. Défendre. crew? Crew. They belong to my son. You've got a son? Yes, a big boy like you. Quel âge est-il? He's in his 20s now. Do you get along with him? Yes. You remind me a lot of him.
But he lives far away now, in another city, so me and his father don't see him often. But he calls a lot. He's a good son. C'est un bon garçon. Merci. Welcome. Clench your fist. Okay, take a good breath. Here we go. Okay. Now count from 100. Slowly. 99. 98. 96. Where did you grow up? So young. I moved back to the States when I was still an infant. From where? England. With your family? What did you say? I didn't understand. Yes. Where were you before you arrived in Montreal? I was in Key West once. I ate at the McDonald's. And there was this group of men. Are you gay? We drove in the rain. What music is this? Who listens to this kind of garbage? What are you guys doing? What are they doing? We're in the mountains. What mountains? The Adirondacks. Who is with you? Guys, I can't do this. It's not me. What are you doing to him? Stop. I don't want to hurt him. You do what we say. You got that? No! Stop! What's happening? Leave me alone. Do you remember anything new now? Charles. Chet. Christian. Christopher. Bonjour, comment ça va? Think. Clay, Calm, Corey. James, attends-moi. My name is James Bright. Qu'est-ce qui se passe? I'm not sure. Come on, tell me. You remember something? I think my name is James Brighton. I was born on the 20th of September, 1973. I have two sisters. No, two brothers and a sister. My sister's name is Mary.
And my father's name is Michael. Are you sure about this? I think I am. Excuse-moi. On s'est rien acheté dans l'une. Qu'est-ce que tu fais? Hey, c'est l'histoire de l'amnésique. C'est pour ton travail étudiant? Oui. Personne n'a jamais su s'il disait la vérité en fin de compte. Tu serais prêt à le croire à présent. Réussi à obtenir de ses nouvelles? Sa famille? Par la FBI? Non. Tu n'as pas recontacté? Tu devrais peut-être. Si t'es sérieuse dans ton enquête, il va falloir que tu te frottes à la réalité à un moment donné. Je dois finir la partie de documentation de ma recherche. D'abord, j'ai une méthodologie à respecter. Je pourrais t'aider. J'étais là, tu le sais. Je sais, mais je préfère voir par moi-même pour le moment. Personne n'a jamais su s'il était gay pour de vrai non plus. C'est ça qui te fait triper, je suppose. So, do you remember what kind of work you did before? No. Me, I'm a teacher. Je suis professeur de linguistique à l'université. Excuse me. Would you like English muffins or some toast? I like English muffins. Orange juice or grape juice? I hate grape juice. Well, that's something you seem to remember very well. English muffins. Thank you. Tu sais ce que tu aimes? Excuse-moi. Je peux prendre une douche, s'il vous plaît? Of course you can. Listen, I don't want you to feel like a guest here. I'd like you to act more like a roommate. In other words, can you also help around a little? Like the dishes here? Otherwise, I'm going to feel like I'm your maid. I'm sorry, it's just... I didn't want to disturb your life in any way. I'm trying to make myself discreet. I understand. But my take on life is you will always be disturbing people around. So don't even try not to, okay? You got to do what you've got to do. You got to act on things. That's the only way you can evolve. You know? I'll try to remember that. No, here you go. No, no, it's okay. I'll do it. I'll do it. I like it.
Let me take care of it. Merci. Thank you. C'est dangereux ce que tu fais. Héberger un amnésique. Tu sais rien de lui. C'est peut-être un tueur en série. D'après moi, c'est le choc subi après s'être découvert gay pendant le party du Black and Blue. C'est pas par hasard s'il s'est ramassé tout nu pas loin du Palais des Congrès ce soir-là. Écoute, il se ramasse au plus gros rave gay de la planète. Il y a plein d'hétéros qui y vont, ça se peut. Le gars-là, c'est un hétéro. La preuve, il est marié. Il y a un jonc au doigt. C'est la seule chose qu'il portait sur lui à son réveil. Je l'ai lu dans le journal. Là, il y a le choc de sa vie en baisant avec un autre homme. Ça le fait flipper. Son ancienne personnalité se volatilise. Qu'est-ce que vous pensez de ma théorie? Je pense pas que ce soit aussi simple que ça. Moi, ce que je comprends pas, c'est comment ça se fait qu'il sait qu'il est gay alors qu'il se souvient de rien. Hey, je connais cette musique. Tu t'aimes ça? Oui. Quoi? Le diagnostic des médecins était clair? Oui. Amnésie dissociative causée par un traumatisme psychologique ou plus spécifiquement syndrome de la fugue. Vous voulez rouvrir l'enquête? Non, je travaille aux archives. C'est pour des recherches personnelles. Je fais mon doctorat en criminologie. Ma thèse porte sur les crimes d'identité et les imposteurs. Toujours l'idée qui mentait? Justement, peut-être pas. Je viens de trouver une information en provenance du FBI qui avait mal été classée. Un reçu de carte de crédit signé par Matthew Honeycutt dans une station-service de l'État de New York, le jour avant son arrivée. Le FBI indique aussi qu'ils ont interrogé le pompiste et que Matthew Honeycutt avait été formellement identifié et que trois hommes l'accompagnaient. Dans une des séances qu'il a subies à l'hôpital avec le Dr Montoya, il a évoqué un souvenir de lui en voiture, dans les Adirondacks où il semblait accompagné. Mais comme je vous l'ai dit, c'était pas concluant. Le problème avec le sérum de vérité, c'est que l'imagination peut se mêler avec les souvenirs. Au début de son séjour, il y avait un drôle d'accent qui a changé petit à petit, non? Oui, certains disaient britannique. Pourtant, il apprenait le français facilement. Le docteur avait jamais vu un cas semblable. Aucun traumatisme cérébral, pas de drogue, pas d'alcool. Physiquement, il allait bien, sauf qu'il avait perdu du poids. Sans doute à cause de l'état permanent d'anxiété dans lequel il se trouvait. Il était à l'hôpital depuis 37 jours déjà, puis la police ne trouvait toujours rien. Alors le docteur lui a suggéré d'appeler une organisation d'entraide gay comme la nôtre. La police devait essayer plus de choses, plus quickly. Au début, c'est plus important encore. The doctor said that every day that goes by, I have less and less chance of getting my memory back. Et ça fait 2 mois maintenant. C'est vraiment incroyable, cette histoire. Et il vous a appelé parce que la seule chose dont il s'est souvenu, c'est d'être gay. Oui. Habituellement, à SOS Gay, on ne rencontre jamais des gens qui appellent. C'est dans nos politiques. Mm. Mais là, c'était un cas tellement spécial. Il s'est aussi souvenu de son nom et qu'il vient de Morristown, New Jersey, aux États-Unis. Il avait un papier avec le nom de cette ville. Et il en a reconnu des images sur Internet. L'hôtel de ville en particulier. Il est certain de le reconnaître. Allez-vous l'emmener là-bas pour qu'il retrouve davantage de souvenirs et peut-être sa famille, des amis? Il n'a pas le droit de traverser la frontière américaine. Il n'a pas de passeport. Tant qu'il n'a pas retrouvé son identité, il ne peut aller nulle part. Yeah, you're stuck here with us. How do you feel about that? It's not totally bad. Quand on préparait cette entrevue,
On a remarqué que James semblait reconnaître certains équipements dans le studio. Isn't that right, James? You seem to know a lot about cameras and studio equipment. Yes. Toots said equipment seems familiar. I think it's possible that I might have worked in a television station. I was a technician or something. C'est possible ou c'est vrai? I'm not sure. I'm never really sure. Wow. You're not just making that up, are you? I'm just telling you what I think I remember. Fair enough. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Quels sont vos projets pour le futur immédiat? What are your plans for now? J'espère que quelqu'un voit ce programme et reconnaît-moi. I've already spent Thanksgiving alone and now Christmas is coming. I just hope my family somewhere sees this or anybody who knows anything about what happened to me to help me. I just want to go home. Oui, si vous connaissez quoi que ce soit qui pourrait aider James à retrouver qui il était, s'il vous plaît, appelez maintenant au numéro qui apparaît à l'écran. Maintenant, James, une dernière question. Si votre amnésie est liée à un traumatisme douloureux, l'idée de retrouver votre passé, ça vous fait pas peur? Aren't you scared of what you might find when you do find out about your past? Well, anything is better than what I'm feeling right now. C'est vraiment une histoire incroyable. James, Geneviève, Bob, merci beaucoup d'être venus nous raconter cette histoire touchante. Et on vous souhaite bonne chance pour la suite des événements. Quant à nous, on prend une petite pause et on vous revient tout de suite après. Je suis comme ça, j'ai jamais rien. On avait été obligé de passer par nos connexions gays à l'époque pour faire bouger vos enquêteurs qui donnaient vraiment l'impression d'avoir abandonné le dossier. Alors j'ai un ami qui a appelé la table de concertation des gays et lesbiennes. Ils ont appelé l'officier en charge des bonnes relations avec la communauté gay. Le soir même, je recevais un appel de Christian Leclerc. L'enquête était finalement relancée. Là, vous avez fait du bon boulot. Pourtant, dès que l'occasion s'est présentée, vous êtes retourné contre lui. Comme si vous vous attendiez à être trahi par lui alors que James a toujours collaboré avec vous. J'ai jamais compris pourquoi. Je sais pas, je travaillais pas pour la police à cette époque-là. Et moi aussi, je peux comprendre. Bon, voici la situation. On n'a trouvé aucune trace d'un quelconque James Brighton dans aucun dossier ici, au New Jersey, au FBI ou à Interpol. Le numéro de téléphone que vous aviez sur un bout de papier n'existe pas au New Jersey. Les souvenirs que vous aviez de Morristown y sont apparus après que vous ayez vu des images sur Internet. Ça ne garantit pas qu'ils soient vrais. Do you understand? Maybe you think you remember. Can I get a lift? Je reviens tout de suite. I'll be back. It's okay. Pull your chair over. Bon, on vient de me donner les rapports sur les comparatifs d'ADN puis des empreintes digitales. C'est négatif. On a même vérifié avec l'ambassade britannique ici et aux États-Unis. Évidemment, ça veut juste dire que James Brighton, si c'est votre nom, c'est pas un criminel. Ou pour être plus précis, il n'y a pas de dossier criminel. Criminal. If
think I'm a criminal, is that it? They think I'm pretending not to remember who I am. Everybody doubts what I say. No, stupid me. I keep on repeating the same story over and over, and I don't even have a story anymore. Whoa. Ça va aller. Canapé? Petite bouchée? Oui. Merci. Merci. Non, merci. Bonsoir, Félix. Bonsoir. Je vous présente Marcel Beaupré, qui travaille au service des relations publiques. Bonsoir. Félix Blain. Il est beau, votre sapin de Noël. Et j'espère juste qu'il n'y aura pas un échange de cadeaux, j'ai rien amené. Oh non. C'est juste que James préfère pas venir avec moi dans ma famille le soir de Noël. Alors, on a décidé d'organiser une petite soirée pour lui, au moins. Canapé? I have to start. You? Sure. I have to. No, I planned it. You're too skeptical. James a vraiment changé. Il reste plus dans son coin comme au début. Voyez comment tout le monde tourne autour de lui. Right, cheers, 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 cheers. Oui. C'est qui cette fille-là? C'est Bobby, c'est une amie de Dominique, tiens. Trouver des nouveaux amis, une famille, des gens aimés. Et ce qui est strange, c'est que ça peut être n'importe qui. Vous comprenez? Oui, je comprends. Quand on n'a plus d'identité, il faut se créer une vie à partir de rien. Et on ne sait pas comment choisir, parce que on a oublié ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas dans l'autre, mais on ne sait pas vraiment de toute façon. Non? Vous, est-ce que... Tu peux me soigner, hein? Tu? Oui. Est-ce que tu sais pourquoi tu aimes quelqu'un? For what? We're going out. Where? To the after hour. Come on. Now? Yeah, come on. She's ready now. Come on. Hey, Christian. It was nice talking to you. Felix, on va danser in an after hours. Do you want to come? No. Pourquoi? Parce que. Tu es fâché? Non, je suis pas fâché. Tu veux que je reste? Pourquoi tu resterais? C'est ton party. Est-ce que t'as envie? Va t'amuser. D'accord. Bonne nuit.
tout le monde était fasciné de voir que James et Bobby s'entendaient si bien. Ils se sont mis à imaginer qu'ils flirtaient avec elle. C'est pas ce qu'ils faisaient? James est gay. Vous vous rappelez? L'histoire de James est tellement liée à la nature même de l'identité gay que c'en est presque la métaphore. Parce que quand on se découvre homo à l'adolescence, on est comme lui. Arraché à nous-mêmes, à toutes nos références. On doit se réinventer, se forger une nouvelle identité à partir de rien. Tous les ados gays passent par là. On vient au monde hétéro, mais on devient homo. Good morning. Tu m'aides à débarrasser? What? Can you help me? Why don't you do it later? Ben, j'ai déjà ça me réveiller avec tout en désordre. You don't understand French anymore. I don't want to wait longer. Everything becomes sticky. You can be such an anal queen sometimes. Where did you go? In one of those big clubs on St. Catherine Street? Yeah, we did. The place was huge. It was full of all these beautiful young people. So I figure you had a good time? Yeah. Yeah, Bobby is absolutely incredible. She has this amazing energy. When she dances, I kept on dancing with her all night. It was unreal. Did you sleep with her? I don't sleep with women. At least I don't think I do. I never really try to find out. Now, seeing the way you were flirting with all the men at the party, even that inspector, I would say you are gay, you know? Are you crazy? Are you crazy? I'm sick of you! You're jealous all the goddamn time! I want my life back now! I mean, de quoi tu parles? That's my picture. This we bought together. But next time I go to work, I'm gonna clean it up. You'll see. I'm cleaning it up. You'll see. Ah! I want my fucking life back. I need fucking life. I need fucking life back. Blank screen with no past. And everyone projects their fantasies onto me. But I really don't matter. No one's been looking for me in all these months. No friends. No family. No one. You have me.
t'avoir rencontré m'a rappelé à cette partie essentielle de moi. Cette partie essentielle de moi, j'ai enterré qui veut enfin s'exprimer. Je dois sortir de moi-même et du rôle que je me suis assigné. Changer de vie, changer de carrière, changer. Et j'ai peur. Si j'échoue, je continuerai de vivre la même fiction que je me suis inventée il y a longtemps. Ce que j'ai voulu être, un policier fort, indépendant, n'ayant besoin de personne, et maintenant isolé et sans amour. J'admire le courage de ce que tu as fait, même si ce courage est enfoui dans ton inconscient. Moi, je m'accroche toujours à ça, le rôle que je dois jouer, mon travail, comme s'il n'y avait rien d'autre. Est-ce que je suis seulement ça? Est-ce que je suis seulement ça? Est-ce que je suis seulement ça? Si tu as deviné qui je suis, tu comprends pourquoi je ne suis pas. Je suis déjà fou de t'envoyer ça. Je mélange vie privée et vie professionnelle, mais... Bonjour, vous êtes bien chez Félix Blain. S'il vous plaît, laissez votre nom et votre numéro de téléphone. Je vous rappellerai dès que possible. Merci. Hi, my name is Allison Pierce. I don't know if I'm calling the right place. The thing is, I knew James Brighton 15 years ago. He was young at the time. He was born in England but raised in Canada near Vancouver. It just so happens that I've heard through a friend that he turned out to be gay. The age fits, the general looks too. I can't leave you a phone number now, but I'll call you soon and we'll talk. Hello? Hello? James est seul dans la ville. Personne ne le recherche depuis maintenant 3 mois. Est-ce qu'on est encore quelqu'un quand on est seul à ce point? Si personne ne nous aime, si on n'a personne à aimer, quand peut-on oser se laisser aller et s'ouvrir aux autres? Risquer. Faire confiance. On se crée une vie qui répond aux attentes de ceux qui nous entourent et on devient personnage de leur histoire, de leur vie. Et on perd la nôtre. On ment pour plaire aux autres. On ment pour ne pas être seul. Et on le devient davantage. Non, j'ai pas eu de nouvelles de James. On n'était pas proches à ce point-là. C'était juste un ami à Dominique. Vous êtes allé danser avec lui une fois, un peu avant Noël, juste après un party chez Félix Blain. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Ça fait déjà un petit bout de temps. Comment il était ce soir-là? Il arrêtait pas de me coller. Je pense qu'il avait un peu peur de Dominique, qui peut être assez lourd quand il crouse quelqu'un. Je lui servais de protection. La plupart des gens à qui j'ai parlé m'ont dit qu'il trouvait plutôt séduisant. Oui, dans son genre. Sa vulnérabilité le rendait attirant. On avait le goût de le protéger. Est-ce qu'il vous intéressait? C'est une question très personnelle. C'est toujours pour votre doctorat? J'essaie de faire une reconstitution de ce qu'il a vécu à Montréal, un portrait psychologique. Ça vous touche beaucoup, cette histoire-là? Oui. I woke up here. My clothes were discarded everywhere. I got dressed and I walked towards those buildings over there. I had absolutely no idea where I was. He had no memory of where he was. When brought to a local hospital, he realized he didn't know who he was either. The only thing he was sure of was being gay. Until a name popped up in his mind weeks later, James Brighton. The police research couldn't find anything under that name. No criminal records, no missing person files. Doctors say he suffers from a rare form of amnesia,
probably caused by a psychological trauma. It's now been 3 months. I only want one thing, to go back home. We've asked him how he would feel if what he did find out in the end turned out to be quite unpleasant. Nothing can be worse than what I'm going through right now. If you know this man or have information that can lead to his identification, call the number that appears on your screen. Nouveau développement dans l'histoire mystérieuse de James Brighton, cet amnésique qui s'était réveillé nu à Montréal en octobre dernier, avec pour seul souvenir le fait qu'il était gay et dont l'émission américaine Real Facts a diffusé un reportage partout aux États-Unis hier soir. Il semble que ce reportage a provoqué plus que ce à quoi James Brighton s'attendait. Il a, entre autres, amené la police à sa porte. Les bénévoles de SOS Gay sont terrassés d'apprendre que l'homme qu'ils ont hébergé, si généreusement, pourrait en fait être un imposteur qui aurait simulé son amnésie depuis le début. Brighton, de son véritable nom Matthew Honeycutt, aurait été identifié par 4 personnes différentes, dont sa tante, qui l'a élevé depuis l'enfance, ainsi que son frère, qui a révélé qu'il était recherché par la police du Tennessee, alors qu'on croyait jusque-là qu'il était originaire du New Jersey. Les charges retenues contre lui sont de méfaits publics, pour avoir provoqué une enquête policière sans raison et usurpation d'identité. Mais selon eux, c'est pas la première fois qu'ils feraient ça. Ils ont mentionné des épisodes de schizophrénie et d'hallucination. Et sa famille veut l'aider puis collabore avec nos services. On a demandé au lieutenant Marcel Beaupré s'ils étaient certains que Matthew Honeycutt avait simulé son amnésie. Voici ce qu'il nous a répondu. C'est pas parce qu'il est schizophrène qu'il aurait pas su ce qu'il faisait. En tout cas, il y a matière à enquête. On pourrait demander une nouvelle expertise psychiatrique. Nous avons tenté de rejoindre les médecins d'hôpital qui ont soigné M. Honeycutt pour savoir s'il y a, selon eux, matière à réévaluation du diagnostic, mais sans succès pour l'instant. Nous avons toujours su qu'il y avait des risques ou une possibilité que, quand on découvre le passé de James, qu'il y aurait des surprises qui ne seraient pas plaisantes. Mais c'est un risque que nous avons pris. Moi, je crois toujours qu'il est amnésique. Pourquoi il aurait participé à toutes les émissions de télé s'il voulait disparaître? Ça n'a aucun sens. J'aimerais aussi apporter une correction. Mon client n'a jamais souffert d'hallucinations ou d'amnésie auparavant. La police a mal interprété les propos de sa famille. Il a déjà souffert de dépression et a été hospitalisé à l'époque. Cela date de plusieurs années alors qu'il était adolescent. Le pantotal est un des produits qu'on utilise pour les anesthésies générales. Dans le cadre d'une narcoanalyse, on l'utilise à petite dose jusqu'à ce que l'élocution du patient devienne lente et difficile. Une personne qui veut cacher une information, qui veut mentir, peut très bien le faire sous narcoanalyse, comme sous hypnose d'ailleurs. Tu peux me dire la vérité maintenant. On sait t'es qui. Pourquoi t'as inventé cette histoire-là? Tu voulais changer de vie? Bon, on recommence. Tu te souviens pas d'une auto que t'aurais achetée avec un permis de conduire au nom de ton frère? Mon frère? Techniquement, c'est ton cousin, mais il se considère comme ton frère. Il nous a dit que t'avais acheté une Chevrolet Impala avec des faux papiers. Quand je l'ai achetée? Je suppose que j'ai pas cette information-là. Ce qu'on sait pour sûr, c'est que tu t'es engueulé avec lui parce qu'il avait découvert que t'avais acheté cette auto-là avec ses papiers d'identité, puis que t'étais censé avoir une discussion le lendemain matin avec lui, mais t'es parti. Je peux pas te reconnaître. Et qu'est-ce que tu dis? Is my brother a minister? Oui, un ministre pentecôtiste. The Holy Ghost descends on us and enters into our soul. In the slaying of the Spirit, we have no choice but to obey him. This is what he believes, my brother. Hey, James, ça suffit. Non. Je suis pas James Brighton, c'est ça. Tous les indices, toutes les pistes, c'est juste des rêves que je fais. Il me réveille la nuit, mais il ne veut rien dire. Je peux pas faire confiance ni à mes rêves. Ni à mes souvenirs, ni à mes cauchemars, ni à rien. Tu
Tu disais que ta sœur s'appelait Mary, mais t'as pas de sœur. C'est le prénom de ta tante qui t'a élevé. Michael, c'est le deuxième nom de ton cousin, pas de ton père. Vous croyez que j'ai menti? Tout ce que j'ai dit, je le crois. Ton téléphone. Allô? Allô, Sylvie, c'est Marcel. Tu m'as appelé? Oui. Je te réveille, là. Veux-tu que je te rappelle? Non, non, ça va, je suis réveillée. Je t'appelais pour avoir des détails sur les conclusions de l'enquête en Écosse Brighton. J'ai essayé de parler à Christian Leclerc, mais on veut pas me donner ses coordonnées. Depuis qu'il a quitté la police, il est devenu un simple citoyen. Écoute, lui puis moi, on n'est plus aussi proches à présent. Peut-être que toi, tu peux m'aider? Eh oui, je vais faire de mon mieux. Qu'est-ce que tu veux savoir? Pourquoi on n'a jamais poursuivi la piste de la femme qui a téléphoné à Noël, Alison Pierce? Parce que quand on a découvert que James s'appelait en fait Matthew Honeycutt, toutes les pistes concernant l'identification de James Brighton sont devenues totalement inutiles. On a fait notre job, point final. On n'a commis aucune faute. Chacun voulait garder James pour lui-même tel qu'il se l'était imaginé. On dit qu'on cherche à savoir, mais on se contente de notre première idée au lieu d'aller chercher un peu plus loin. We just want to set the record straight and get to the bottom of the game. Okay. Rumor and hearsay, no place. Okay. So thanks. Just around the corner. Upstairs, thanks. Get a good seat. Matthew. Il y a ceux qui sont prêts à croire le pire des autres. Mais aussi, il y a ceux qui sont prêts à croire le meilleur. Et c'est la leçon principale que je tire de mon séjour à Montréal. Il y a tellement de générosité autour de moi. Je vous dirai encore comment j'étais triste quand on dit de moi que je suis un imposteur. Never wanted to deceive anyone. Je veux tellement remercier tous les gens à SOS Gay qui m'ont aidé. Je suis heureux que j'ai retrouvé ma famille, mais je suis triste que je quitte Montréal. At least I can say I have two families now. J'ai deux familles maintenant. Merci beaucoup. James, is it true you don't recognize your mother? Comment se fait-il que vous ayez la permission de quitter le pays? Les accusations contre vous ont-elles été abandonnées? Pour ce genre de questions, on laissera répondre l'avocat de Matthew, Maître Laurent. Oui? Mr. Honeycutt. You are a decent human being, Matthew, and you are a friend. There was that immediate intimacy between you and me, and I hope it will always be there. J'espère que nous resterons amis. We will. Oh, monsieur. J'ai peur.
tout va bien aller. Avec le temps, tout va s'arranger. Thank you for everything. Matthew retourne aux États-Unis, dans sa ville natale, au Tennessee. Une ville qu'il ne connaît plus, chez des gens qu'il ne reconnaît pas. Qui sont-ils? Pourquoi ne l'ont-ils pas cherché pendant tout ce temps? Pourquoi sont-ils devenus de parfaits étrangers? Comment peut-on oublier ceux qui ont été si proches de nous? Comment peut-on oublier une maison? Ces odeurs, ces bruits. Les peurs qu'on y a connues. Let me take your bag. Thank you. Les rires qu'on y a étouffés. Sit down. I want to show you something. Oh, the album's a mess. Pictures are all mixed up. Now, this was reunion for your grandma's birthday. There she is. Do you recognize her? She was Cajun, you know. Her maiden name was LeBrec. Did she speak French? Yeah, she still did. I never picked it up myself. She used to babysit you all the time. Don't you remember? Oh, now, this is our neighbor, Emma. You two used to be real close when you was growing up, always hanging around her place watching old movies. Remember that? I don't recognize any of it. I don't recognize her. I don't recognize these people. I don't recognize this place. I don't recognize you. Well, that's Charlie. Charlie. You remember Charlie? Charlie, come here. Come here, boy. I remember Charlie. You remember me. You remember me. This here's the main drag. We used to eat breakfast there, but it's all closed down now. Your dentist is right there in that building. You used to come down here all the time when you was a teenager. Well, all the time. It's the only place to go. Doesn't look like Montreal, that's for sure. Bring it on!
I forgive you, Matthew. I forgive you. Take my hand. This is my brother. And he's come back to me. Circumstances. You will either grow in them or they will knock you down. Of the people that you hang out with, Paul said, bad company ruins good morals. Now there are people that'll tell you that you're going to listen to that nonsense. From those fanatics, outdated, outmoded, irrelevant, dead as proverbial doo-doo. And it's at this point that Festus interrupted Paul and said, you are out of your mind. Your great learning is driving you crazy. Paul said, most excellent Festus, what I say is true and reasonable. True and reasonable, Matthew. I know. I know what you're feeling. Last year, you were having a nervous breakdown after you broke up with your lover. That's why you moved back here for a while. Because I had broken up with my wife. That's what my aunt told me. She said I'd been married. Don't call her your aunt. She's been your mother for 20 years. Yes, you have been married to Sarah, but that was years ago. Last year, the lover you broke up with, that was a man. Your mom didn't know about it. It ended badly. When you guys broke up, you sent movers to pick up your stuff, and you took his stuff, too. You really cleaned him out. Next time you go to work, I'll bring this fucking police too! Who told you all this? You did. You were in pretty bad shape. You were fighting with Carl all the time. Carl, remember? Your brother? You saw him this afternoon. Well, he'd found out you were living with him, and he told you this man had corrupted you, had recruited you for the forces of evil, had turned you against God, that you would go to hell, that you must fight these tendencies of yours. It was just God testing you. You were so ashamed. You got depressed, didn't speak anymore. In the end, you took a room in a motel, and that's when Carl found out that you'd bought a car using a driver's license that you'd forged with his ID. And when he said he wanted to have a serious discussion about it with you, you said you'd meet him at the motel the next morning. But when he showed up, you were gone.
Did he come after me? I don't think so. What is it between you two? Ever since you guys worked together at that Christian TV station, you've been weird. He got me that job? Yes, but you quit after a while. Why? I don't know. Maybe because you made passes at the cameraman and Carl saw you. I did that. No, I'm kidding. I just made that up. Has Carl ever been violent? Him? Not at all. He's so religious. Hi, Mrs. Honeycutt. Hey there, Emma. How are you? Fine. How's that boyfriend of yours? Oh, we broke up a while ago. I'm sorry to hear that. Oh, there's nothing to be sorry about. I'm better off. Well, are you two gonna listen to this music for long? I'm trying to sleep. You used to hate this music. Didn't speak anymore. In the end, you took a room in a motel, and that's when Carl found out that you bought a car using a driver's license that you forged with his ID. And when he said he wanted to have a serious discussion about it with you, you said you'd meet him at the motel the next morning. When he showed up, you were gone. Mathieu part ensuite sur la route. Il roule à toute vitesse. Il n'a pas encore oublié qui il est. Il quitte sa ville natale. Il roule et roule. Plus il s'éloigne de la Follette et approche de la frontière du Tennessee, plus il oublie. Il traverse Morristown sans s'arrêter et aperçoit son hôtel de ville victorien qui ressemble à des centaines d'hôtels de ville, avec sa tour en briques rouges et son square ombragé. Morristown, Tennessee, et non Morristown, New Jersey, comme il croyait son souvenir. Mais là, à la sortie de la ville, lui qui a toujours tenté de garder le contrôle et d'être comme on a voulu qu'il soit, lui qui a caché si longtemps ses vraies émotions, il laisse tout aller. Il ne sait plus. Et voilà qu'un ange apparaît. Un autostoppeur. Can I get a lift? C'est le vrai James Brighton. James est plein de sagesse et de savoir-vivre. Il est né en Angleterre. Il a vécu. Il est en harmonie avec lui-même. It was absolutely incredible. But the thing was, Mathieu lui parle comme seul on peut parler à un inconnu. And we went to the concert. No way. And it was massive. All the time. No, okay, look. I have another photo. What? Here. Yes. This one. See, look. Oh, no. Listen to me. What? I'm here with you. Mathieu tombe éperdument amoureux de lui. Comme seul on peut tomber en amour avec un inconnu. Here right now. Yeah, me too.
I mean, like, haven't you ever wanted to go anywhere? Just go away and stay there for a while and, I don't know, just not come back. Here's my home number. In case we lose each other in Montreal, those raves can be huge. It's James Brighton. Ils reprennent la route par des chemins détournés. James s'amusant à faire découvrir à Matthew une Amérique qu'il ne connaît pas. Jusqu'à tout récemment, ne faisait jamais rien d'impulsif, qui calculait chaque mouvement dans sa vie et évitait tout ce qui pouvait être risqué. Voici qu'il fait quelque chose sans réfléchir. Il arrête pour aider trois hommes dont la voiture est en panne. Hey, you going to Montreal? Ils sont sous. Trois hommes qui montent en vire à Montréal, comme souvent le week-end. We're going to the Black and Blue. Black and Blue? The fuck is Black and Blue? It's the biggest gay party in Montreal. Les trois hommes font alors des commentaires homophobes. Oh, you're a fucking homo! On prend Matthew à partie, qui ne dit pas un mot. Son silence le range du côté des trois hommes. What's your fucking problem? You like to suck cock, dude? Fuck me? Fuck you, motherfucker! Fucking like fuck! Hey, what are you doing? Teach him how to fucking love and appreciate the pussy, baby. What the fuck is this? Huh? What's with the ring? You and your boyfriend married? He was in love with a faggot. Hey, you know what? We should have grabbed the guy's tickets out of his pocket. Hey, we're in Montreal. Let's go. Come on. Come here, boy. Come on, let's go. Come here. Here, come on. He's a fucking faggot, I know. Mm. Oh, yeah.
What's in the wallet, baby? What's here, in the here. Wallet? Come here. Not. Give me your hand. Get the fuck down! He's gonna like this. You want it, don't you? Go! Fuck you! Give me your fucking hand! Fucking regret this! You're gonna fucking go down, faggot! Fucking ass! No! No! Hey, Matthew. Matthew, look at me. It's Brendan. Okay? It's just a dream, huh? Just a bad dream. It's okay. All right? Okay. Mm-hmm. You know, I really think you should stop emailing that girl in Montreal. Your nightmares, you know, they're getting worse. I know. So, why do you keep writing to her? I don't know. I just keep hoping something might come out of it. What about that specialist in Chicago? Hmm? Yeah, you keep putting it off. I have to quit my job. Yeah, well, you get another one. I'd have to leave you for a month. I'd wait. I don't know. Just afraid that I might disappear again and lose you. Il voit encore sa famille? Non, il n'est pas vraiment intéressé aux Honeycutt, comme il les appelle. Ça fait maintenant presque 12 mois qu'il ne leur a pas reparlé. Vous parlez très bien le français? Ah, j'enseigne le français dans un collège ici. Est-ce que Matthew vous a dit? Non? C'est là que nous nous sommes connus. Il s'est inscrit à mes cours quand il est venu en ville. Why don't you go on through? I'll be with you in a second, okay? Shall we sit down? Mathieu travaille jusqu'à quelle heure? J'ai menti. Il n'a pas pu vous prendre à l'aéroport, mais c'est pas à cause de son travail. Il est parti tôt ce matin, avant que je me lève. Mais il a laissé ça pour vous. Chère Sylvie, l'automne est arrivé en Virginie et la température est semblable à celle de ce mois d'octobre à Montréal, au moment où je me suis réveillé, au moment où, pour moi, encore aujourd'hui, ma vie a commencé. Cela me fait m'arrêter et je constate quel chemin j'ai parcouru en ces quelques mois, presque un an aujourd'hui. En même temps,
Ça me rappelle un passé qui me reste à connaître. J'ai toujours envie de faire mes valises et partir. Je me sens continuellement comme si je voulais fuir. De quoi? Je l'ignore. La seule façon de le savoir serait de saisir ce passé que j'ai perdu. Là, peut-être, je trouverai la réponse que cherche mon subconscient. Là, je trouverai la paix. Aujourd'hui, je devais aller au supermarché pour accomplir différentes tâches que les gens accomplissent le week-end. Je devais entrer dans le mall et me mêler aux autres. Je voulais leur ressembler. Je voulais parler comme eux. Et pour ces quelques heures, je voulais être comme eux. Même si ce n'est pas possible. Thanks. Where were you? I'm here. Hey, stop that. I drove Sylvie back to the airport. Is she gonna be okay? Hope so. J'ai trouvé étrange et fascinant de lire votre thèse de doctorat. Je tournais les pages avec anxiété. J'avais hâte de connaître la fin, parce que moi, je ne la connais pas. J'aurais rencontré l'amour vrai en la personne de James Brighton. Puis, j'aurais participé à la mise à mort de cet amour. C'est très beau. D'une manière tragique. Trop beau sans doute. Each man kills the thing he loves. Mais même si c'était vraiment ce qui m'est arrivé, ma conclusion resterait la même. Aussi cruel que cela peut paraître, je dois enterrer mes morts. C'est pourquoi je préfère ne pas relancer l'enquête et ne pas vous rencontrer. Je suis désolé d'avoir attendu jusqu'à maintenant pour prendre ma décision. Je continue d'avoir des cauchemars la nuit. Mais chaque matin, ils prennent fin. Et dans la journée qui suit, il n'y a pas de nuages. J'espère que vous aussi pourrez m'oublier. Je vous souhaite une vie heureuse. Matt. James. Don't forget me, dear.
forget me.